Bonjour et bienvenue pour l'unboxing de Spawn Vault Edition volume 2. Il est disponible, ça y est, sorti. C'est une grande joie et c'est un bonheur incommensurable de vous présenter ce magnifique objet. Alors, ça se présente sous la forme d'un grand carton, comme vous pouvez le voir, comme les Artist Edition, comme les Artisan Edition. Pas les Artisans, il n'y a pas le gros carton dans les Artisans, comme les Artifact Edition. Mais c'est Todd McFarlane qui produit et ça s'appelle un Vault. Alors, il y a juste un sticker pour vous dire que c'est le Vault tome 2. Et deux informations très importantes. La première, c'est que il nous annonce que tous les exemplaires sont signés de la main de Todd McFarlane. Nous allons vérifier. Et la deuxième, c'est que 1 sur 100... est égal à droit à un dessin original. Alors, ça c'est original, puisque vu qu'il y a 10 dessins, puisqu'il a fait une vidéo il y a quelques semaines en ligne et qu'il nous montrait les 10 dessins, vu qu'il y a 10 dessins, ça veut dire que ça a été tiré à 1000 exemplaires, ce bouquin. Et nous en avons 30, enfin 29, puisque je viens d'en prendre un et que celui-là est pour moi. Alors, si vous l'achetez chez nous, vous avez la garantie qu'ils n'auront pas été ouverts préalablement. Ils vont arriver comme ça, exactement comme ça. J'ai pris celui-là sur la pile et il fait partie des 30 exemplaires. Ils sont sous blister a priori à l'intérieur. Je ne sais pas encore, on va vérifier. Et donc, je ne sais pas si, oui ou non, il y a un dessin original. Il y a 1000 exemplaires dans le monde. Il y en a 10 dédicacés. Donc, ça veut dire qu'on a une chance sur... Il y en a 1 sur 100 qui est dédicacé. Et moi j'en ai pris 30, donc il y en a 30 chez originalcomics.fr, donc statistiquement j'espère qu'on en aura un, ce serait cool que l'un d'entre vous en ait un. Si c'est moi qui l'ai, vous allez dire que j'ai triché, je le sais déjà. Voilà, alors je vais l'ouvrir, je vais l'ouvrir devant vous. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, hein. Ah bah ça s'ouvre facilement, je pensais que ça s'ouvrirait beaucoup plus difficilement que ça. Oui, il y a bien un blister à l'intérieur. Donc voilà, ça s'ouvre super bien, ça s'ouvre même mieux que les Artist Edition. Donc hop, le carton est là, le carton est vide. Voilà, je le mets là, il retourne dans son carton après. Et ça se présente de cette façon, un gros bouquin. Donc un petit peu à la façon des, des Artist Edition. Voilà, alors on va prendre un coutelas. Hop, et je vais faire ça comme ça, je vais vous montrer et je vais vous prouver. Que je l'ouvre devant vous, et je peux pas avoir triché, hein. Je ne peux pas avoir triché, je n'ai pas à la maison de machine pour hop, enlever les trucs. Alors je sais pas comment il a fait pour en dédicacer 10 qui ensuite ont été repackagés, je sais pas comment il a réussi son coup, mais bon, ça c'est les mystères de l'industrie. On va regarder s'il est dédicacé, hop, et non, eh ben, il est juste signé, putain ils sont tous signés quoi, il a signé 1000 exemplaires le Todd. J'ai un exemplaire signé, c'est déjà pas mal, hein. je suis content. Donc 100% des exemplaires sont signés. Alors, c'est quoi ce bouquin? C'est tout simplement la réédition du deuxième arc de Spawn. Le Vault numéro 1, il faut le savoir, est en rupture partout, hein. Rupture totale, rupture absolument impossible à trouver. J'en ai même pas un pour moi, je suis dégoûté. Et donc du coup, voilà, le Spawn, les épisodes 8 à, c'est marqué là, les épisodes 8 à 15, donc c'est signé, et ça c'est super cool, 8 à 15, sont reproduits à l'échelle 1. C'est-à-dire que Todd McFarlane a conservé toutes les pages originales, les couvertures de Spawn, les a scannées et les a reproduites à l'échelle 1. Il les a dessinées à cette grande taille. Et vous avez droit à toutes les pages dans leur format initial, telles qu'elles ont été créées. Voilà, c'est assez formidable, c'est très beau et c'est très chouette de découvrir ça. Je vais me régaler en feuilletant les pages de ce magnifique ouvrage. C'est disponible donc sur originalcomics.fr. Je vous rappelle que tous les exemplaires sont signés et je vous rappelle également que c'est magnifique, hein, quel travail incroyable de la part de Todd McFarlane d'avoir fait ça. Regardez le travail incroyable de cet artiste, hein. C'est des pages qui ont plus de 25 ans et qui sont toujours aussi belles et toujours aussi incroyables. Voilà, c'est vraiment 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 du très très grand art. Alors je vous rappelle donc que vous avez peut-être la chance d'avoir un exemplaire dédicacé. Alors si vous avez un exemplaire dédicacé, vous m'envoyez sur Facebook ou vous m'envoyez par mail la photo de votre dédicace, hein. Je veux la voir. Et ça reprend donc tous les épisodes 8 à 15 de la série Spawn et par
scénarisé par Alan Moore, Neil Gaiman, Dave Sinn et Frank Miller, hein, quand même. Hein, parce qu'il avait fait appel à des très grands scénaristes, notamment Neil Gaiman, qui avait créé le personnage d'Angela, qui depuis a été racheté par Marvel Comics. Voilà, donc Spawn, Vault Edition, volume 2, très bel ouvrage. Tous les exemplaires sont signés, je vais regarder ça dès ce soir. J'étais ravi de ouvrir les pages de ce bouquin avec vous. Je vous rappelle que Spawn Gallery édition avec les 100 premières couvertures est disponible en hardcover. Et je vous rappelle que Spawn, il est là, Spawn 300 est dispo les amis. Salut !